We will make Kotopua great again. Sie ist intelligent, sie ist meine Co-Moderatorin und sie ist das hübscheste halbe Portionchen, das ich kenne. Bitte begrüßen Sie Olga auf der Bühne. So, jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, ja, was hat denn Donald Trump und sein Größenwahn bei Kotopua zu suchen, außer vielleicht Ihre Aufmerksamkeit zu erregen? Ja, das fragen Sie sich nicht ganz zu Unrecht, aber vielleicht lassen Sie dabei außer Acht, dass die Gründer dieser Veranstaltung, ja, es damals Kotopua genannt haben. Wenn es also einen geeigneteren Ort für Größenwahn gibt, dann, es gibt also keinen geeigneten Ort für Größenwahn. So. So, und damit heiße ich Sie herzlich willkommen beim diesjährigen Kotopua. Liebe Eltern, liebe Lehrer, liebe Schulleitung und natürlich liebe Mitschüler, ich hoffe, Sie werden ganz, ganz viel Spaß haben und dass wir die hohen Erwartungen, die wir jetzt geweckt haben, auch erfüllen können. Joli de vous voir tout. Et voilà, donc maintenant on commence avec le premier sketch. Et c'est une chanson de Marianne et Kylian. Et donc, alors après le bac, chacun d'entre nous se trouva dans un autre environnement avec beaucoup, beaucoup de changements. Et la majorité de nous quittera probablement aussi sa ville d'origine. Mais pourtant, après quelques années, on s'aperçoit que notre ville d'origine n'est pas si mal que ça et qu'elle nous tient encore beaucoup, beaucoup à cœur. Mais je pense quand même que nous sommes... Vous voulez dire quelque chose ? Je pense quand même que nous sommes très capables de découvrir le monde sans oublier la beauté de notre vie d'origine. So, dann habe ich jetzt den Einstieg. Also wir befinden uns jetzt in der Phase, wo wir die Veränderung suchen. Ja, bald haben wir das Abitur hoffentlich alle bestanden. Wir brennen, anderes zu erleben, Neues zu erleben, auch aus unserer Heimatstadt rauszukommen. Und dann passiert was ganz Komisches, nämlich so nach 20, 15 Jahren merken wir, hey, eigentlich war die Heimatstadt doch sauschön. Ja? Und wir werden zurückkommen und uns sagen, wow, hier habe ich meine Zukunft verbracht und alles wird sich total warm und vertraut anfühlen. Wir sparen uns die 20 Jahre jetzt. Wir können schon jetzt unsere Heimatstadt besingen mit Hometown Glory. Viel Spaß auf der Bühne. From my hometown, ooh,
Die wir im Moment haben, denn wir leben in sehr bewegten Teilen. Et en fait, pendant ces temps troublés, le terme de la révolution n'a pas vraiment la connotation la plus drôle. Mais je peux vous assurer que après le sketch suivant, vous allez avoir une autre pendule. Also in diesen turbulenten Zeiten hatte die Revolution keine sehr positive Bedeutung mehr. Aber ich kann Ihnen versichern, dass Sie Ihre Meinung zu 100% verändern werden, nachdem Sie diesen Sketch gesehen haben. Damit heiße ich Deborah Ombre Stéphane mit La Révolution sehr herzlich willkommen. Période vachement troublée. Puis l'an 1, puis l'an 2, puis l'Empire. Allez les enfants, en scène. Allez c'est parti, on commence. La répétition commence. Alors Louis XVI. Louis XVI. Mohamed. C'est pas possible Mohamed, t'étais où encore? C'est à la cour de récréation madame. Mais Mohamed, pourquoi toujours la cour de récréation? Tu sais que ce soir on a une représentation devant tous tes petits camarades. Hein? Comment tu fais si tu connais pas ton texte? Voilà, bon allez c'est parti s'il te plaît. Ton texte on a pas. Alors, le roi. Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Je me fais la sourde oreille. Mais Mohamed, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas du tout le roi ça, mais qu'est-ce que c'est comme roi? C'est le roi Henri XVI. Henri XVI, c'est Louis XVI. Le compte, il est bon, c'est 16 quand même, madame. Non mais, tu racontes n'importe quoi. Allez, pousse-toi, on va faire entrer le peuple. Le peuple. Riton. On a faim, on a faim, on a faim, on a faim, on a faim. Bonjour le peuple, comment ça va? Bon alors, c'est quoi le problème, le peuple? On a faim. Eh bien, il faut manger. On n'y arrive pas. Eh bien, il faut te forcer. On a faim. On a faim. Madame, elle change les paroles, là. Mais c'est toi, tu changes le texte. Ça, c'est moi qui change. Non, mais oh, ça suffit, là. C'est bon. Personne ne change le texte, d'accord? C'est moi qui sais. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, bah écoute, toi, tu sors. Et puis toi, tu continues, s'il te plaît, parce que là, tu vis. Il est difficile d'être le roi de la France. Je fais la sourde oreille à tout ce que le peuple me raconte et je m'abalade dans les Tuileries et je prends le métro. Là, il y a le contrôleur qui dit, vous avez votre ticket? Rien à foutre, je suis le roi et je t'emmène.
passe 4 heures comme ça. Ah, mais écoute, moi-même, je suis très mécontente, hein, parce qu'on n'avait pas dit de faire ça, d'accord, hein. Moi, je t'ai pris pour faire le roi, parce que tu m'as dit que tu avais déjà fait le roi. Ah non, j'ai jamais dit ça, madame. Bah si. Non, j'ai dit que chaque année, c'est moi qui ai la fève. Il est difficile. Ouh, j'ai la fête. On va tout casser. Rivo, qu'est-ce que tu fais? Mais tu sors. Mais vous confondez tout, les enfants. Vous confondez la fête où le peuple il a faim et la fête où il veut changer de régime. Le peuple il a faim et il veut changer de régime. C'est comme ça. À mort Louis. Des bâtons. À mort Louis. Madame, madame, je vais là, c'est pas Henri XVI. Les enfants, c'est pas Henri XVI. C'est pas Louis croix des bâtons, c'est Louis XVI. Tu comprends, Mohamed, explique-lui. C'est Louis XVI. Louis XVI, primitive. Croix des bâtons. Non, c'est pas possible, les enfants, vous ne comprenez rien. La révolution, c'est important. Ça a tout changé. Rido, tu comprends pas. Le peuple, à cette époque, il n'avait pas de travail. C'est grâce à la révolution qu'il a eu un travail. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'emploi maintenant. Non, ben non, non pas vraiment. Bon allez, vous fatiguez, on va tout de suite passer à la scène de la Bastille. Allez, là, le peuple, tu me prends la Bastille, s'il te plaît. Voilà. Madame, moi aussi je peux casser la Bastille, moi, madame. Non, mais non, 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 mais tu es le roi, tu casses la Bastille. Mais le roi, il s'emmerde. Moi, mais tu es le roi, tu peux pas casser la Bastille. Pourquoi je peux pas casser la Bastille, moi, madame? Parce que tu es le roi. Moi, je suis le roi, je suis plus fort, je suis Belmondo. Quand tu veux, je te... Non, mais c'est moi qui... Oh, stop là. Vous êtes doucement en train de me faciliter le transfert des finales. Mais vous comprenez toujours pas. La Bastille, les enfants, c'est un symbole. Monsieur, oui, quoi? C'est quoi un symbole? Ah, mon frère, il joue de la batterie, il a des symboles. Vous faites n'importe quoi, on va passer à la dernière scène, allez, la guillotine. Bon, alors le roi, tu as peur, tu t'enfuis à Varennes. J'ai pas peur, moi, madame. Je suis le roi, je suis le plus fort, moi. Mohamed... Les révolutionnaires, je leur mets le coup de boule, rien à foutre. Bonjour, je suis monsieur Robespierre. C'est pas lui, avec son bonnet frigide, il va me faire tort. Je suis plus fort, moi. J'ai mis un problème, le carrosse ne marche pas. Je m'habille bien, 2 secondes c'est réparé. Mohamed, tu me fais cette scène, tu vas t'enfuir à Varennes. Et pourquoi je m'en fiche si j'ai rien fait? Je te jure, voilà la radio à la porte dans le carrosse. Mohamed, tu t'enfuis pas, tu émigres. Et pourquoi j'émigre? Déjà, je suis plus français que toi, je suis né à Bal-d'Ersheim. Mohamed, tu me fais cette scène. Non, je ne veux pas faire la scène de la décapitation de la guerre. Mohamed, tu me fais cette scène. Je ne veux pas faire la scène de la... Tu vas te prendre dans la tête les doigts de l'homme si tu continues, hein. Au nom du comité, si ça dit le plus gros, je voulais vous décapiter. Au nom de liberté, égalité. Va te faire niquer. Je suis guillotin. Et moi, je suis biomane. Chevalier du zodiaque. Viens là, Marie-Antoinette et le dauphin Flipper. Attention, transformation. Oui. Je suis force bleue. Je suis force blanche. Je suis force rouge. Force bleue, blanc, rouge.